I discovered the turtles. We wandered the sewers until I found this place. The mutagen in our blood began to change us. My sons, you will be legends. C'est très mauvais. On a vu les Tortues Ninja. Donc c'est extrêmement con. Bah, scénario bancal. Effets spéciaux. Voilà. Michael Bay a cassé mon jouet. Donc les Tortues Ninja style années 80 n'existent plus. C'est clairement pas le film de l'année, mais dans son genre, c'est il y a zéro crédibilité, zéro scénario. Mais par des rebonds humoristiques très drôles, comme une référence à la fin de Lost que personne n'a comprise à part moi, j'ai l'impression. Le film arrive à s'en sortir. Mais bon. La connerie, c'est par rapport à G.I. Joe 2 à côté, c'est Citizen Kane. Hein. Donc c'est très con, en fait c'est très drôle, c'est totalement régressif. Alors, bon, alors par contre, les scènes d'action sont très mal filmées, donc on voit rien, donc c'est chiant. Les scènes d'action très mal cadrées, on n'arrive pas réellement à profiter du film. C'est un peu dommage parce que c'est pas le même résultat que Transformers. Transformers c'était un peu cool, rigolo. Là c'est quand même filmé en biais. Oui, alors c'est bien gentil un film avec des tortues ninja, mais ce serait bien aussi la prochaine fois de pas le faire réaliser par une tortue. Non, enfin c'est extrêmement mal filmé, c'est globalement c'est assez épileptique. Je pense que les mecs ils étaient conscients qu'ils allaient faire un film de merde et ils y sont allés à fond. Ça se sauve parce que ça se prend pas du tout au sérieux et on sent que les mecs ont bien conscience qu'ils sont en train de faire de la merde collectivement. Voilà, c'est écrit avec les pieds, il y a l'Himalaya à 20 mètres de New York, des descentes de 150 mètres qui durent 2 heures. C'est 4 ados attardés, 4 hystériques dopés à on ne sait trop quoi qui tournent autour d'un rat bizarre et d'une journaliste complètement décérébrée. Par contre, c'est aussi sauvé par le fait que Megan Fox est magnifique et elle a un petit leggings en cuir que je vous conseille fortement, vous amateurs, voilà. Et que partant de là, ils se permettent tout et n'importe quoi. Donc c'est débile, mais c'est marrant. C'est complètement inutile et c'est voilà, c'est un film marketing destiné à vendre des jouets. Et je pense qu'ils vont essayer de se rattraper sur le deuxième parce que je pense que malheureusement il y en aura un, mais c'est très mal barré. Mais au final, je sais pas, je suis rentré dedans, j'ai passé un bon moment, c'est une bonne surprise. Ça tient un cheveu quoi. C'est vraiment très moyen et j'aurais presque pas envie de le conseiller quoi, vraiment pas. Fear will destroy this world. Guys, this does not look good.